Alors aujourd'hui, on est devant une classe de mention complémentaire pâtisserie boulangère. C'est des gens qui ont un cursus pour tous de boulanger. Donc ils ont tous obtenu un CAP soit sous la forme de 2 ans d'apprentissage en alternance, soit sous la forme d'un an. C'est l'obtention d'un CAP en un an est possible si on a justement un métier qu'on appelle connexe, comme la boulangerie avec la pâtisserie, comme la charcuterie avec la boucherie. Aujourd'hui, là, ils sont à même donc, de travailler sur 3 corps de métier dans cette mention complémentaire. Donc un jour en entier, ils ont un prof de pâtisserie, ils ont un prof de boulangerie, donc aujourd'hui moi, et surtout ils ont un corps de métier qu'ils ne connaissent plus ou moins pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le traiteur. Aujourd'hui, aussi en boulangerie, on fait quelques traiteurs d'assemblage, donc un petit peu dans le même style que les pâtissiers. Et là, on leur confie une responsabilité de mettre au point une gamme de produits plus sandwich qui correspond à l'idée d'aujourd'hui du snacking qu'on peut appeler les gens qui voudraient manger sur l'heure de midi rapidement mais sainement. Ils sont tous largement insérables. Avec des responsabilités dans une entreprise. Ils ont gagné ici en vitesse, en organisation, en hygiène aussi. Et l'entreprise a fait beaucoup, en sachant qu'ils ont 3 jours de pratique chez nous, en alternance une fois par mois. Et ils ont bien sûr le reste du temps en entreprise. Il y a peut-être une petite partie qui va continuer, mais les autres, pour moi, ils sont directement dans l'entreprise déjà, mais ils vont continuer à prendre des responsabilités.